Ce jeudi 11 mai, c'est la journée mondiale des espèces menacées, l'occasion de rappeler au grand public que la préservation de la biodiversité est fondamentale. En effet, chaque année, ce sont plus de 20 000 espèces de plantes et d'animaux qui sont en danger de disparition imminente. Dans le cadre de cette journée, Madame la préfète de la Haute-Marne, accompagnée par les représentants de la LPO et de l'OFB, ont rencontré une classe de l'école primaire Jean Massé-Arago de Saint-Dizier. L'objectif, sensibiliser la jeune génération sur l'importance de la protection des espèces en voie d'extinction et sur les mesures à prendre au quotidien pour les protéger. Écoutez. De faire passer le bon message aux enfants qui, dans l'avenir, seront plus grands et auront déjà connaissance de quelques notions de protection et comment protéger des espèces qui sont aujourd'hui en phase de disparaître ou pour certaines qui sont en danger. C'est une école où on intervient régulièrement depuis quelques années, donc ils sont quand même assez sensibilisés à toutes ces causes-là. Et on voit aussi qu'ils portent un intérêt, alors pas seulement parce qu'on est dans une école qui travaille ces sujets depuis quelques années, mais ils rapportent beaucoup ça à chez eux, même à leurs grands-parents. Voilà, ils parlent beaucoup du papy qui fait ci, qui fait ça. Et moi, je trouve très intéressant justement qu'ils se posent des vraies questions et de voir comment eux, ils peuvent intervenir pour apporter leur petite solution et favoriser la préservation des espèces et en particulier des oiseaux.